L'aventure d'Eden Hazard en Espagne est en train de virer au cauchemar, tout simplement. Le Real Madrid a perdu patience, lui cherche une porte de sortie et ça semble évident, il est temps pour Eden d'abandonner le navire. Alors voici 5 raisons pour lesquelles Eden Hazard devrait quitter le Real Madrid, vraiment. Numéro 1, la trahison. Ces images-là ont fait très mal aux fans du Real Madrid. Après l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face à Chelsea, Hazard a été vu complètement mort de rire en fait avec ses anciens coéquipiers. Un geste pas du tout, mais alors pas du tout apprécié par les fans du Real Madrid. Surtout au vu de la performance, on va le dire, qui était très médiocre de la part d'Hazard face aux Blues. No hay que buscar excusas de todas formas ahí por ahí. Yo creo que si miras el partido es el equipo contrario ha merecido esta su victoria y nada más. Alors est-ce que finalement Hazard ne respecterait tout simplement pas le Real et ses fans? Nous chez Oh My Goal, on imagine bien qu'il ne voulait pas insulter les merengues mais qu'il était juste heureux de retrouver ses potes de Chelsea. Mais la presse espagnole l'a totalement détruit. Irrespectueux, gros, pas fait pour le Real Madrid, ils y sont allés vraiment très fort, hein. Le célèbre présentateur d'El Chiringuito, Josep Pedrerol, s'en est pris à Hazard qui, je cite, « se fout de la gueule du Real Madrid et qui ne peut pas rester une seconde de plus au club ». Alors Hazard s'est immédiatement excusé. « Je suis désolé, j'ai entendu beaucoup de choses sur moi aujourd'hui et ce n'était pas mon intention d'offenser les fans du Real Madrid ». Oui, mais malgré ces excuses-là, ça sera quand même difficile pour Eden Hazard de calmer la colère des madridistas qui, clairement, veulent le voir dehors. Heureusement pour lui, c'est Zidane qui décide, et pas eux. Sauf que deux Zidane pourraient partir. On a quand même bien l'impression que l'aventure de Zidane au Real Madrid touche à sa fin. Florentino Pérez aurait déjà eu une conversation avec lui pour lui parler de l'avenir de l'équipe. Et visiblement, Zizou ne serait pas vraiment dans le projet de Pérez qui voudrait le remplacer par Allegri, pendant que ZZ, lui, irait à la Juve. Si Zidane, celui qui l'a fait venir et qui l'admire, s'en va, Hazard n'aura, pour le coup, vraiment plus personne pour le protéger au Santiago Bernabéu. Et selon la presse espagnole, le board du Real veut demander un prix franchement très accessible pour faire partir Hazard. Seulement 50 millions d'euros pour un joueur qui a coûté, il n'y a pas si longtemps que ça, 115 millions d'euros. C'était en 2019. La chute est absolument terrible. Numéro 3, donc un prix écrasant. Et remporter beaucoup de trophées, voilà, c'est... Comme vous l'avez dit, c'était mon rêve étant petit. J'ai toujours voulu jouer pour le Real Madrid. Et maintenant, je suis là, voilà, j'espère juste profiter du moment. Merci. Gracias a todos. On vient de le dire, Hazard a signé en 2019 pour 115 millions d'euros. À l'époque, c'était logique. Hazard était monstrueux avec Chelsea et avec l'équipe nationale belge. Mais ce prix est en train de devenir un immense poids pour le Belge. Lui qui en avait déjà pris pas mal, déjà du poids cet été. Selon les critiques, Hazard prend trop de vacances. Il ne prend pas soin de lui. Et sur le terrain, il ne fait pas la différence en fait. Et quand les blessures ont commencé, le rêve galactique d'Hazard s'est transformé en véritable cauchemar. Si le Real Madrid arrive à le vendre, il se délestera d'un énorme salaire, alors qu'Hazard, lui, pourrait retrouver de la confiance ailleurs, sans la pression qui va avec une indemnité de transfert supérieure à 100 millions d'euros. Parce que ça, on l'a déjà vu avec Coutinho ou Dembélé, que quand le transfert dépasse 100 millions d'euros, mentalement, ça peut être compliqué à assumer. Numéro 4, la concurrence. Florentino Pérez voulait relancer l'ère des Galactiques avec l'achat d'Hazard, sauf qu'il s'est plutôt mis en galère avec cet énorme transfert. Heureusement pour lui, il avait aussi parié à coups de millions sur des jeunes qui, eux, sont très prometteurs. Vinicius Junior, notamment, Rodrigo, Reynier. Et le Real suit notamment de près la progression de Martin Odegaard et de Takekubo. Le Real a plein de pépites jeunes, rapides et surtout en meilleure forme physique qu'Hazard. Pas compliqué. En plus de ça, Pérez veut faire un gros transfert cet été. Alors gros transfert, c'est est-ce que Mbappé peut signer au Real ou est-ce que Cristiano va faire un incroyable comeback au Bernabéu? En tout cas, si l'un des deux signe, le Real aura vraiment besoin de l'argent qu'un transfert d'Hazard, par exemple, lui rapporterait. 5. Une nouvelle aventure. Hazard a vraiment été malchanceux au Real, il faut le dire, c'est clair, c'est net. Alors oui, certains estiment qu'Hazard se serait moins blessé avec une meilleure hygiène de vie, mais n'est pas Cristiano Ronaldo qui veut non plus. Et Hazard est Hazard, et il aime profiter de la vie. Quand je suis en vacances, je suis en vacances. J'ai pris 5 kilos cet été.
Je suis quelqu'un qui prend du poids très rapidement, mais je perds du poids rapidement aussi. Alors pour le coup, c'est vraiment dur pour Eden, parce que son rêve était de jouer au Real. Mais quand il acceptera que son passage au Real est un échec, Hazard pourra alors se lancer pleinement dans une nouvelle aventure, dans un environnement où il pourra s'épanouir. Et à 30 ans, il pourrait notamment revenir en Première Ligue. Et si Eden veut revenir en France, on est sûr que le PSG pourrait être intéressé. Une option qui nous rendrait triste, c'est qu'Hazard, par exemple, se dise « je veux juste m'amuser » et qu'il parte dans une pré-retraite en MLS, par exemple, ou au Qatar, ou au Japon. Remarque, pourquoi pas l'Inter Miami de David Beckham, ça peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment dommage qu'Hazard n'ait pas réussi à montrer l'étendue de son talent au Real Madrid, le club de ses rêves. Ça ressemblait vraiment sur le papier à un mariage parfait, mais c'est très difficile de prévoir comment les choses vont évoluer à ce moment-là, et c'est très difficile de prévoir comment les choses vont évoluer maintenant. Le vrai perdant dans cette histoire, bah, c'est nous déjà, les fans de foot, parce que Hazard, c'est quand même l'un des joueurs les plus fantasques et excitants du football mondial. Alors espérons quand même qu'un jour, il retrouve les sommets et le plaisir de jouer. Au Real, peut-être, mais plus probablement ailleurs quand même.